Numéro 1 des tendances sur Netflix, la série The Watcher revient sur le cauchemar d'une famille américaine. Après avoir emménagé dans leur maison du New Jersey, les nouveaux propriétaires reçoivent des lettres anonymes et leurs voisins deviennent de plus en plus bizarres. Bien que des événements aient été inventés pour tenir le public en haleine, l'histoire est tirée d'un véritable fait divers. Tout commence en juin 2014, lorsque la famille Brothers décide d'emménager dans le New Jersey. La mère de famille décide de se rapprocher de son quartier d'enfance et trouve la maison de ses rêves. Mais celle-ci va rapidement devenir l'objet de leur pire cauchemar. 3 jours seulement après avoir acheté la maison pour plus d'$1 million, le père de famille reçoit une lettre anonyme signée « The Watcher », qui signifie « l'observateur ». Dessus, il est indiqué qu'elle est adressée au nouveau propriétaire de la maison. Cette lettre va rapidement inquiéter la famille. L'expéditeur explique que la maison est surveillée et gardée depuis plusieurs générations. Mais ce qui va encore plus les effrayer, c'est qu'il se met à menacer les enfants en écrivant « Une fois que je connaîtrai leur nom, je les appellerai et les ferai venir à moi ». La première lettre d'une longue série. Les jours qui suivent, 2 autres lettres leur seront envoyées. Et à chaque fois, elles sont de plus en plus étranges. Le père de famille décide de se rendre à la police pour les prévenir du harcèlement dont ils sont victimes. Pour les enquêteurs, il doit s'agir d'un simple voisin envieux ou alors d'un acheteur qui n'a pas eu la maison. Bref, rien d'alarmant. Pourtant, les lettres vont devenir de plus en plus angoissantes. Le couple Brothers est persuadé que l'auteur de ces lettres vit près de chez eux, car il connaît le surnom des enfants et même leur date de naissance. C'en est trop. La famille décide de porter plainte contre l'ancien propriétaire de la maison pour lui avoir caché l'existence de ce corbeau. Mais contre toute attente, le couple qui vivait avant dans cette maison n'a reçu qu'une seule lettre en 2 ans. 6 mois après avoir reçu la première lettre, la famille décide de déménager. Mais maintenant que The Watcher est connu de tous, les acheteurs ne se bousculent pas. Depuis, The Watcher n'a plus donné signe de vie. Mais jusqu'à quand ?